il y a aujourd'hui encore très très peu de services civiques qui se font à l'étranger, parce que pour pouvoir faire un service civique à l'étranger, il ne suffit pas d'identifier une mission et de décider de partir, il faut, ça s'organise, les relations avec l'État étranger, et là on voit bien le rôle que l'Aube de secours en enfants a joué dans cette affaire. Il faut qu'il y ait une structure associative qui prenne l'initiative, qui conçoive le déplacement, qui organise les contacts. Et c'est quelque chose d'assez lourd, et on a encore relativement peu de services civiques. Mais votre expérience est très intéressante parce qu'elle permet justement d'expérimenter, de voir quelles sont les conditions qu'il faut réunir pour réussir ce genre de mission.